Mais Benji est fidèle à ma grosse bite. Non, non, Ah, hey, débile, tu caches des choses. non. Ah, t'inquiète. J'ai plus trop 7. Ah oui. Wow. Putain, arrête de faire des cascades comme ça, il me donne la gerbe, Ah oui, l'autre. par contre, on n'a pas regardé l'extrait. Ça, on l'a pas vu, ça. Ah oui. Ah oui, on l'a vu. Oui, je me rappelle, Non, c'est moi bon. je l'ai pas vu celui-là. Oui, on l'a vu, mais on se rappelait début plus. Je me rappelle, toi, c'est le. Ouais, c'est l'espèce de poster là, du mec là. Moi je devais regarder ailleurs alors. Ah oui, rappelle-toi ici. Même il y a une créature qui va passer là, entre les conteneurs. Bon, attends. Ah oui, Ah, le temps, il faut sans. se refaire les touches. Ah, là, je suis en cinématique, donc il Ouais, me reste t'attends un deux. peu. Mais en fait, tu pouvais. En fait, Voilà. ouais, c'est bon. Là, t'as vu, il y a une créature juste là. Ah, bien joué. Pour ça, je me rappelle. T'as vu, je peux avoir Alzheimer, mais de temps en temps, ça m'arrive de me rappeler quand ça va. Putain, attends, je fais comment pour l'arbre de compétences? Et si ça continue, on va m'appeler Dory. Elle a Alzheimer. Chaque fois, ça ne rappelle plus de rien, quoi. Elle te manque bien, hein. Cochonne Elle sauf. te manque. Toi, Cucu, tu te rappelles comment on fait pour accéder à l'arbre de compétences? Je crois que c'est la flèche du bas ou je sais plus quoi, Mais bon, jouer non? Jean-Pierre. Ah, ça va, j'y arrive quand même. Guérison, on va le monter à fond. Ouais, bah oui. Par contre, ouais, tout ce qui est tout ce qui est Succès à simple. régénérer la vie, c'est mieux de le mettre au maximum. Parce que la vie, c'est. Hein, Ouais. c'est ce qu'on sert le plus, quand même. Bon, ta mère, elle a 1100 secondes. En anglais. Bon, là, tu vas découper la rondelle. Par contre, c'est quoi ces bestioles-là? Ah ouais. Oh, pardon. Ah oui. Ah, attends, c'est des autres poupées, ceux-là. Je les ai pas vus. Ah, c'est de nouveau. Ouais, c'est des nouveaux, ouais. Voilà, c'est bien ce que je pensais parce que je les ai jamais vus. Ouais, par contre, fais attention. Ouais, par contre, il m'a l'air d'être assez, ouais, coriace, hein. Ouais, il faut leur viser les jambes. De toute façon, c'est le seul moyen de les découper en rondelles. Par contre, c'est bien plus puissant de se les prendre face à face, comme ça, au niveau frontal. Mais. Oh. Voilà, c'est bon. Oh, ça va, t'as pas trop perdu en vie, ça peut aller. Eux, par contre, ça va être ouais, plus simple. Ils ont pas de bouclier. En plus, bah, c'est ouais, c'est les créatures de base. Et là, par contre, c'est des créatures. Non, c'est de base avec un qui est un peu plus résistant. Ouais, celui-là que t'as découpé avec, il est pas bien. Par contre, le 2, je l'ai vu. J'ai vu qu'il était mieux fait quand même que le Bon, il premier. faut 1000. Ouais, on voit bien que. Mais s'ils ont fait le 2, peut-être parce que peut-être qu'au final, le premier, il a peut-être quand même bien marché au final. Parce que c'est un jeu d'erreur quand même, c'est un jeu où on s'en fout des graphismes. Ce qu'on cherche, c'est du défouloir. Oui. C'est ça qu'on cherche. Alors, le QQ en mode Dory, sauf que lui, il cherche pas ses parents, il cherche sa bite. Enculé. C'était gratuit. Pas mal la petite vanne. À chaque fois, j'oublie que les trucs, ils explosent. Bon là par contre ouais, on voit que dalle, vaut mieux mettre la. Enfin, espérons que la lampe torche soit pas copyright là. Imagine-toi. La lampe torche est copyright, full t'éteigne, il faut jouer le jeu en mode vraiment sombre quand on voit que dalle. Faut jouer en mode Musou, faut jouer dans le marteau total, Ouais, c'était gratuit. mais ça, de toute façon, si un jour ils font, toi, que on va dire l'image, les droits à l'image, si le droit à l'image arrive à. À devenir copyright, bon, on sera Voilà. baisé. Bah, on sera obligé d'arrêter, hein, Ouais, de de toute toute façon, on manière. n'aura pas le choix. Bah, soit, de toute façon, on arrêterait, mais on fera des petits débats.
Bon, il n'y a rien que ça qu'on pourra faire. Des débats sur les jeux vidéo. Style, on met une image de fond, puis basta, quoi. Comme Guigui fait en faisant du Dragon Ball Super, en faisant des reviews. Il n'y a rien que ça à faire. Ouais. Ah ouais, ça, bah en Il y a, soi, y ça a... sert le jeu vidéo. Ouais, bah si tu veux, il n'y aura que les gros youtubeurs à la con que eux, ils auront le droit de... D'exploiter le droit à l'image. Ils ont su sucer. Par contre, Benji, lui, il a une grosse bite bien gluante. Comment tu sais ça, Guigui? Toi, Guigui, le dégueulasse. Ah, Guigui, ouais, c'est... Désolé, les enfants. Ah ouais, fais attention, Guigui, il y a peut-être des enfants qui me regardent. Hein. C'est pas très catholique, tout ça, Guigui. On va montrer nos culs et puis c'est tout. Wouah la vache! Ouais! Oh l'autre il a fait le ninja! Ouais, on a un petit paquet là. Par contre, fais bien attention derrière toi parce que tu l'as pas tué. Ah ouais, là c'est vraiment le défouloir à fond quoi. On voit là Davy, il est complètement. Par contre, là, émergé, là. Ils ont mis les créatures en mode muscle. Là, fais gaffe. Par contre, là, Benji, combat d'infirme. Ah, il vient, il se protège tout le temps. Ah, c'est bon. Là, tu peux le niquer. Vas-y. T'as vu, c'est mis à quatre pattes, quoi. Je suis athée. De même, Guigui. De même. Et s'est prosterné devant son maître. Bah, vous avez pas vu l'épisode de South Park? Les cathos, c'est chaud. Ah, bah oui, c'est archi connu. Les cathos, c'est chaud. Ah, cet épisode-là de South Park, il m'a bah tué. En fait, South Park, quand tu regardes, ouais, eux la liberté d'expression est vraiment ancrée, mais à fond de la caisse. En fait, South Park, ils s'en battent les couilles du politiquement correct tout. Ouais, moi je trouve qu'aux États-Unis, il y a quand même encore une liberté d'expression chez eux. Quoi. C'est ça qui est bien. Chez nous, elle a jamais existé, la liberté d'expression. C'est des conneries. Ceux qui ont dit la liberté d'expression, non, elle n'existe pas. Quand tu vois ce qu'ils disent dans South Park, franchement... Bah nous, on dit à peine 2% de ce qu'ils font dans South Park, on est déjà foutu. Il n'y a aucun dessin animé à ma connaissance qui fait ça, tu vois, qui dit des trucs comme ça. En fait, si tu veux, South Park, quand tu regardes, c'est politique. Tu vois, ils parlent beaucoup de politique dans South Park. Ouais. Bah oui, parce que t'as Obama, on va dire, t'as tous les... Ouais, par contre, ça, ouais, c'est un truc de dingue. Ça a l'air d'être un bourbier. Non, t'as vu, il parle de tout le monde. Mais c'est con qu'il parle pas de... Bah, une fois, je sais pas, c'est dans un épisode, tu voyais le dessin Sarkozy. Enfin, tu voyais son dessin animé. Enfin, tu voyais sa tête dans... Parce que tu voyais tous les présidents... Oui, c'est l'épisode, c'était... même, c'était ouais, le trésor intergalactique, là, qui vient sur Terre. Même, ils veulent le piquer. Oui. Puis, voilà, tout... tous les pays ils veulent partager le butin quoi. Enfin, à part Benji, son dieu c'est mes bichous. Non, moi je suis chrétien non pratiquant. Bah toi t'es chrétien non pratiquant parce que t'es quand même baptisé toi finalement. Bah je suis baptisé et j'ai communié donc ouais. Je suis chrétien non pratiquant. Bah c'est pour ça que moi je peux pas être chrétien parce qu'au final j'ai jamais été baptisé et communié quoi. Mais sinon on est quand même. Bah en fait au final on est quand même chrétien non pratiquant. Mais moi au final parce que quand j'ai de la famille qui décède, c'est à l'église. C'est à l'église, le mariage, tout le bordel. Au final, on est quand même chrétien sans l'être, quoi, en fait. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ah, ça, après, c'est comme toute religion. T'as pas besoin d'être pratiquant pour être. Oui, mais normalement, on devrait être pratiquant. Normalement, pour enterrer de la famille ou se marier. Normalement, c'est censé être comme ça. Mais vu que là. Que la religion chrétienne, on a quand même des droits. On a une liberté chez Bah nous, nous, chez les on a plus de liberté que les autres, hein, ça c'est clair. Bon, tu vois les Simpsons, Futurama, South Park, American Dad, c'est une liberté d'expression qui manque en France, c'est des dessins qui de base pour du pré-adulte, adulte. Ouais. Ah bah voilà, c'est exactement ça. Mais sinon, pour moi, le pire, c'est South Park, quoi. Oh, il faut mieux. On va dire, American Dad, je connais pas ce dessin animé personnellement.
Mais on va dire que South Park, pour moi, ils disent plus de mots plus trash, toi, en fait. Des mots que t'es censé être condamné en France, toi, t'as même pas le droit de dire En ça. fait, si tu veux, American Dad, c'est... Moi, franchement, j'aime bien American Dad, par contre. Bah, ça. Moi, j'aime pas. J'aime pas ces styles de ces animés-là. Bah, au début, j'aimais bien les Simpsons, mais arrivé à un moment, les Simpsons, j'aimais plus parce que j'en avais marre de la voix de Homer. Toi, c'est en boucle, ça me cassait les oreilles. Ouais, fait marrer ça. Bon. Non, sa voix à la force, toi, j'en avais marre. Il dit trop la même chose. Pour ça, moi, je préfère South Park, quoi. Pour ma part. Il y a aussi La vie est un zoo qui est archi marrant. C'est un dessin animé télé-réalité, toi, c'est un truc de dingue. Alors ça, c'est archi marrant. Oh, je l'ai décapité. Attends, par contre, je vais voir par là. Non, non, t'as vu la série Luke Cage? Ouais, j'ai commencé à regarder. Ouais, j'en ai marre de regarder aussi. Le mec, il ramène trop sa gueule. Ça m'énerve. Le mec, c'est bon, il est invincible. Au début, il est bien le début, toi, quand tu vois, le mec, c'est Monster Munch, quoi. Mais après, voilà, il s'y croise pas. Même Superman, lui, qui est quelqu'un, bah, voilà, il est invincible, quoi, normalement. À part si tu lui mets des pierres, là, t'as vu, je sais pas. De la kryptonite. Ouais, il est allergique à ça, mais sinon, il est invincible, le mec. C'est pas qu'il est allergique, c'est que c'est son point faible. Ouais, mais c'est comme une allergie au final, parce que quand moi qui est allergique au pollen, bah si par exemple bah, j'ai du pollen, on va dire si j'en respire trop, bah, j'ai du mal à respirer, j'éternue, puis c'est un point faible, toi. Là on peut me défoncer. Ah mais moi tu vois je trouve ça débile Superman. C'est le mec il est allergique à la kryptonite, s'il te plaît, il vient de la planète Krypton. La planète Krypton ça remplit de kryptonite. Et le Lascar il supporte pas la kryptonite, donc en gros il supporte pas sa planète. Bah moi je supporte pas la mine. S'il vit sur sa planète, il crève. Moi je supporte pas la mine non plus. Ça, c'est pas logique. Ah d'accord, donc il faut que je trouve la statue pour Mais t'as vu, Superman lui il ramène pas sa gueule par contre. Tu vois bien que le mec il est ça. normal quoi. Comme Batman. Là, Batman il est normal. Bah, dans le dessin animé il est censé être stock. Mais dans le film j'aime pas parce que le mec il est stick quoi. C'est juste l'armure qui fait effet. Qui t'a l'impression c'est un Monster Munch. Mais en fait non, le personnage qui joue il est stick. Mais dans le dernier avec Ben Affleck là. Lui, Ben Affleck, par contre, lui, il est costaud. Toi, tu vois bien qu'il s'est musclé, lui. Par contre, lui, je trouve que ça y va bien, le rôle de Batman. Mais après, ouais, Batman versus Superman, c'est vrai que c'est pour moi le film abusé. La voix de Homer, c'est comme la voix de Vegeta, c'est irremplaçable, c'est comme Daniel Radcliffe, Harry Potter. Il a beau faire des films en dehors du monde magique, mais il restera toujours Harry Potter. Ouais, bah oui, c'est ça, oui. Oui, t'as raison, Guigui. Quand moi je vois enfin, l'acteur de Harry Potter dans d'autres films, pour moi c'est Harry Potter en fait. Ouais. Le mec qui. Le mec de Harry Potter, il fait un autre film. C'est le type qu'on va avoir en fait. Toi. On va pas dire Daniel Radcliffe. Ouais, Le mec de Harry Potter. on sera obligé de dire. Ah, tiens, mais en bas le truc. Ouais, je sais, mais attends. Ouais, on va dire, ouais, c'est le mec d'Harry Potter. Bah tiens, Oh. il est dans un nouveau film, là. Il joue un nazi, je sais pas quoi, là, aux États-Unis. Ouais, mais ça, ils arrêtent pas, quoi, avec des films comme ça. Ouais, tu peux descendre comme ça, je crois, non? Ou tu veux descendre avec Non, l'ascenseur? je préfère descendre comme ça, on sait jamais. Bah là, je pense qu'il y a soit un boss, ou soit une armée de soldats, de monstres. Par contre, Ouais, une armée, ouais, attends, une armée. ça je vais les dégommer maintenant, parce que si ça me pète à la gueule, je vais Par sortir. contre, regarde bien derrière toi aussi, parce Ouais, que je y sais, en mais a qui attends, là j'étais obligé de péter le truc. Ouais, là, par contre, ici, ça. On va dire, c'est un peu style Devil May Cry, et toi, style, à chaque fois que tu vas dans une pièce, toi, tu dois défoncer plein de monde, et après, tu peux débloquer la Oh, pièce. moi je kiffe par contre de vous montrer. Bah en fait, ça s'appelle comment déjà? Sans but de mots. Ouais, un beat'em all, voilà. C'est le genre de. Superman, faudrait m'expliquer juste un truc. Il ne porte pas de masque et il est démasqué. Et il n'est démasqué. Il y a un problème. Ouais, c'est vrai que dans Superman, bah,
Déjà dans la série à l'époque, quand j'étais gosse, Ah, tu tu voyais parles si de tu... Small Devil, non? Non, quand j'étais gosse, ouais, j'étais aussi gosse, mais moins que ça. Mais non, je te parle, c'est Lewis et Clark. Tu vois, qui passait sur la 6 avant. Là, c'est un dessin animé, non? Non, c'est une série normale, qui passait sur la 6. Bah, c'est Small Devil. Non, avant Small Devil. Même la meuf qui joue Lewis, c'est celle qui joue dans Desperate Housewives. Oui, même, oui, c'est la brune, là, elle est archi connue. Oh, je sais pas, bah, je les connais pas déjà les actrices de Desperate Housewives. Je sais juste qu'il y a Eva Longoria dedans parce que c'est une cochonne. C'est une cochonne. J'aime bien cet acteur, surtout son film avec ses cornes, qui lui pousse sur le crâne, mais la fin est à chier. Ah, tu parles du film d'Harry Potter. Bah, moi, j'aime pas trop les films fantastiques comme ça. À part Harry Potter, ça va, j'aimais bien, mais sans plus en fait. Mais après, ouais, ses autres films. Par contre, moi, je le verrais bizarre. Toi, depuis qu'il fait des autres films, moi qui est habitué de voir l'acteur d'Harry Potter dans Harry Potter, quoi. Dans d'autres films, en fait, pour moi, j'ai l'impression que ça y va pas, en fait. Si on est trop basé dans son ancien film. C'est comme là, Daryl. Là, Daryl, en fait, il a déjà fait des films avant Walking Dead. Hein. Pourtant, voilà, c'est pas un mec très connu, quoi. Mais grâce à Walking Dead, le mec, il est archi connu. Et maintenant, il fait des films, des fois, de temps en temps. Quand les saisons, bah, ils se finissent, bah, il a le temps de faire un film derrière. Et tu vois qu'en fait, non, tu le vois plus en Daryl que t'as eu dans d'autres films, en fait. Ça y Ah va mais pas. ça, c'est parce qu'on est On est habitué trop à le basé. voir en tant que Daryl de Ouais, Walking Dead. voilà, on est trop basé dessus, en fait, c'est pour ça. Bah, dans Harry Potter, c'est la même chose. Moi, je suis trop, voilà. Pour moi, en fait, ils peuvent pas changer de film. Je suis trop habitué qu'ils soient. Mais j'aimerais avoir une vraie suite à Harry Potter. Bah, ce serait bien, hein. Mais c'est vrai que vu l'âge qu'il a, après il faut voir, parce que Harry Potter, déjà, quand tu regardes, c'est censé toi c'est pour les enfants, quoi, quand même. Mais c'est vrai déjà qu'il a grandi, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je sais pas. J'ai trouvé c'était différent. T'as vu, on voit bien que il dans, dans quand, Par contre, ce qui est bien fait dans Harry Potter, je trouve que c'est le personnage il grandit en fait. Tu vois qu'il grandit comme dans la vraie vie. Après, moi, de toute façon, perso, je peux pas trop vous parler d'Harry Potter, hein, ce j'ai pas vu. Après, il y a aussi l'autre là, t'as eu le rouquin qui suit Harry Potter, je sais plus comment il s'appelle. Dans le dessin, enfin, dans le film, il s'appelle Ron. Bah lui aussi il est dans un autre film. T'as, en fait, si tu veux, pour moi, Harry Potter, c'est leur seul vrai succès, et c'est grâce à ça qu'ils vont sortir vraiment. C'est comme Walking Dead, hein. Tu vois, un acteur qu'on connaît pas trop dans Walking Dead, tu verras. On va le voir dans d'autres films. Bah comme la meuf à Glenn. Bah elle. On la connaît pas vraiment. Je sais pas les films qu'elle a dû faire avant Walking Dead. Bah depuis qu'elle a fait Walking Dead, bah elle a fait un film d'horreur. Elle est dans un film d'horreur. Là, c'est pour ça que en fait, c'est pour moi, si t'es dans une série Qui a du qui a succès. du succès à fond, c'est là que tu peux avoir une opportunité à être dans un putain de film hollywoodien, un truc excellent. Film de Hollywood. Et c'est là que tu vas te faire connaître en fait. Mais il faut être dans une série à succès. Et surtout, il faut que tu sois excellent acteur aussi. Il faut que tu montres aux spectateurs que voilà, qu'on est attaché à toi dans une série. Et c'est là qu'après qu'on s'attache à un personnage, après tu vas avoir du succès. Ça fait, bah tiens, les réalisateurs ils vont te dire, bah tiens, je vais te prendre, t'as assuré et tout. Vu que le Walking Dead, ça a archi bien fonctionné, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Bah, la personne, bah, que ça soit une femme ou un homme, bah, là, il pourra décrocher vraiment. C'est là que son avenir en tant qu'acteur ou actrice va être vraiment ancré, en fait. C'est là que ils vont faire des superbes films, ou pourquoi pas, s'il disparaît de Walking Dead, bah, qu'il fasse une autre série, quoi. C'est ça, qu'il soit dans une autre série. Et alors, l'épisode 1 de Walking Dead. Vous en pensez quoi? Personnellement, pas de surprise, mais Rick joue vraiment bien, putain, vraiment ce mec. T'as un Oscar, la chair de poule. Ah bah oui, l'épisode 1 de la saison 7, ouais, c'était un truc de dingue. Hein. Surtout Negan. Negan, je trouve que l'acteur, il fait le poids. Je trouve qu'il fait le poids en tant qu'acteur. Il joue archi bien son rôle.
Ah, bonsoir Black Cest, comment vas-tu l'ami? Salut Black. Salut tout le monde, vous allez bien? Désolé pour le retard. C'est pas grave, hein, pas besoin de dire désolé tout le temps, hein, Black. Hein. Tu passes quand tu veux, y a pas de souci. J'étais absorbé par un animé que j'ai commencé aujourd'hui et du coup j'en suis à l'épisode 18 ou 19, je sais plus. Ok, Black, y a pas de souci. Ouais, Black fait partager, fait tourner le titre. Vas-y, tiens, David, il faut savoir, c'est quoi le dessin animé que tu regardes en ce moment? Au cas où je l'ai pas vu. Ouais, Comme on sait jamais. ça me fera peut-être un anime à regarder pour ce soir. Parce que là, ça fait une semaine que je tourne en rond, que je regarde tout le temps les mêmes. Non, sinon, Black, passe comme tu veux, hein. T'es pas pressé, hein. De toute façon, tu sais très bien qu'il y aura les rediffs, de toute manière, Black. Y a pas de souci pour ça, il y aura toujours les rediffs, Ouais, c'est quoi ce machin? tu pourras toujours voir si tu loupes. Ah ouais, c'est vrai, Ah, c'est par vrai. contre, regarde le gros bug. Ça Oh. va que moi je peux voir avec la tablette. Le Shinju Sokyu no Deji Kenichi. Ah oui, bah c'est Kenichi. Ouais. Quand il veut couper le bras à son fils, putain, la tension. Ouais. Par contre, je sais pas si Black il regarde ou quoi. On va essayer de pas spoiler si il suit la série, quoi. Après, ouais, c'est vrai que. Par contre, là, on voit bien que Rick, il a plus rien dans le froid, quoi. Tu vois qu'il a archi peur, mais il joue bien son rôle. Par contre, ouais, il était vraiment dedans. C'est vrai que oui, par contre, l'Oscar, oui, j'y donne rien. Franchement, là, on croirait vraiment qu'il avait peur de crever, quoi, en fait. Ouais, qui tenait la vie. Oh, Avec ça m'a le fait faux trop rire. Shirahama Kenichi. On n'entend pas une aussi Ouais, j'ai là. l'impression que c'est mon voisin qui repète un câble. Putain, tu vas pas me dire qu'il va encore bricoler à cette heure-là. Non, j'ai arrêté à la saison 4. Ah, ok. Ah ouais, bah t'en es loin là. Enfin, t'es encore loin de nous. Parce que là, on en est à la saison 7, épisode 1. Bah tiens, ah ouais, demain on est dimanche. Ouais, la sortie américaine demain soir. Et nous, ce sera lundi. Et puis DB super aussi demain. Ouais, demain, ouais. T'as raison. Après, tout dépend à quelle heure qu'ils vont faire sortir l'épisode. Putain. Putain, je sais pas ce qu'il Je sais pas, mais moi, fait. mon jeune homme, il galère à reprendre de la vie. Par contre, ton voisin, il est pas net. Attends, il est 22h07. J'entends, il est en train de bricoler. Je sais pas, il est en train de prendre une scie ou il est en train de couper un bout de bois ou je sais pas quoi. Ou il est en train de mimer un truc. Et Luke Cage, t'as pas aimé, pourquoi? Bah en fait moi Luke Cage, ce que j'ai pas aimé c'est le personnage, il ramène trop sa gueule en fait. Genre en fait si tu veux au début ça va, il est bien. Mais après ce que j'ai pas aimé c'est le perso, ouais, il est trop ramène gueule et tout, toi j'aime pas, toi c'est. Après c'est peut-être fait exprès, c'est. Parce que c'est son rôle à faire ça. Mais moi, si tu veux, moi, ça. Moi, j'aime pas quand ça ramène trop sa gueule, quoi. Après, voilà, chacun son truc, hein. Moi, c'est mon jugement Non, personnel à je peux moi. pas dire si j'ai aimé ou pas, j'ai même pas encore regardé le premier épisode. Ici, sur lequel je regarde, ne marche plus, j'ai d'autres trucs à regarder. Ok, si j'ai fini les 13 épisodes de Luke. Le Black, t'as aimé? Black, si tu veux un site pour regarder des mangas ou pas, je t'en conseille un, c'est DP Stream. Ça fonctionne bien. Par Enfin, contre, ça fonctionne très parle bien. pas trop de ça, parce que c'est des trucs assez. Voilà, en tant que stream, c'est pas trop faire pub à ce genre de trucs. On va éviter. Alors, je rattrape, enfin t'as fait une pub tout à l'heure, j'en fais une comme ça, Ouais, on mais est ouais, mais bien. là c'est même plus une pub, là, c'est. On va dire, c'est plus. On va dire, tu m'as compris. Hein. Là, c'est plus grave que ça. C'est des trucs que normalement, on n'est pas censé parler trop. Putain, les deux soldats, là, ils commencent à me saouler, ils sont à chaque instant, ces deux connards. Bah oui, sinon j'aurais pas regardé tous les épisodes. Bah tu sais, tu peux regarder tous les épisodes, puis t'as pas trop aimé Black.
Des fois ça arrive. Hein. C'est comme un manga, tu peux comme ça la regarder et puis tu te dis tiens, je vais regarder jusqu'au bout pour voir. Puis après tu te dis ouais, au final j'ai pas le même. Ah bah non, si j'aime pas, j'en ai un peu jusqu'au bout. J'en ai même pas les deux premiers. Dans l'esprit, respecte entièrement le comics. Si t'aimes pas, c'est ton choix, mais les fans des comics sont aux anges. Ouais, bah tant mieux pour eux, Guigui, tant mieux pour eux. De toute façon, au final, une série, s'ils respectent vraiment le comics du personnage, bah tant mieux quoi. C'est ce que les fans veulent, tant mieux pour eux. Moi, c'est pareil, c'est dans The Walking Dead. C'est dommage qu'ils respectent pas vraiment la série s'ils ont respecté la. Enfin, c'est con qu'ils respectent pas le comics à fond. Non. Dans un gangbang. Putain, je suis pris au piège. Je peux même pas bouger. Eh? Je pouvais même plus bouger. Non, mais tant mieux si ça respecte. Si ça respecte, hein, l'esprit. C'est. Et la putain de liberté d'expression que tu me rabâches sur tes streams. Ouais, mais là, c'est comme si je te disais des trucs illégaux et tout. Ça, c'est. Voilà, il faut pas non plus parler trop de ça, quoi. Parce que si tu vas depuis chez toi, vas-y. Hein. Voilà, c'est. C'est pour ça que je veux pas qu'on parle de trucs comme ça. Après, on peut parler de tout, mais pas de trucs comme ça. Oh putain, faut que je rebatte tout le monde, vas-y, ça casse les couilles ça. Parce que, vas-y, vas-y, on va parler un peu de DP Stream. DP Stream, c'est, on va dire, c'est un site, mais c'est pas totalement légal en fait, si tu veux. C'est pour ça que je veux pas en parler. Moi, je veux parler de tout ce qui est légal. Par exemple, de se payer une pute. Ah non, bah non. Même de se payer une pute, c'est illégal. Mais... Ouais. La prostitution, c'est illégal. Oui, c'est illégal. C'est n'importe quoi. Bah, ça a toujours été illégal. Ouais, ça a toujours été, mais moins, si tu veux. En fait, si tu veux, le gouvernement, ils ont, on va dire, ils savent, mais ils ont pas été trop dessus. Mais maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont fait un vote pour sanctionner les clients, quoi. Puis ils vont faire comment pour gratter maintenant les femmes? Ils vont faire comment? Si c'est leur choix. C'est pas parce qu'ils vont diminuer la prostitution qu'il n'y en aura pas, qu'il n'y en aura plus. Hein. Il y en aura toujours de la prostitution. Les gens, ils auront toujours besoin d'argent. S'ils sont obligés de vendre leur corps pour avoir de l'argent, mais ils sont obligés, hein, c'est pas le choix. Il y en a même qui se prostituent pour aller à l'école. Enfin, pour faire des études. J'avais vu ça. Des filles de 18, 19 ans obligées de se prostituer pour aller dans les universités. Ouais, j'avais vu ça. C'est... Quand tu vois ça, ouais, c'est dégueulasse, quoi. Ils peuvent même pas. Il y a même pas une aide, toi. Ils aident même pas les écoliers, quoi. Les étudiants. Tu m'as engueulé pour le mot car. Besoin d'argent ou besoin de cul? Les deux. Bah. en fait, chacun fait son beurre. Hein. La pute a besoin d'argent et toi, t'as besoin de son cul, quoi. C'est. C'est ça au final la dépêche quoi. Toi qui es le client, t'as besoin de fesses. Ah oui. Et la personne elle a besoin d'argent. C'est une épée à double tranchant. Ouais, c'est ça. Mais il faut. Moi je trouve que voilà, ils devraient laisser les gens se faire plaisir parce qu'il y en a qui vont rester vierges toute leur vie, hein, tu sais pas. Il y en a s'ils n'arrivent pas à avoir de femmes, bah, ils vont devoir les prostituer. Bah oui. Je soutiens tous ces sites. Bah oui. Putain, ouais, oui, par contre, ouais, les traductions ouais, de DBS ouais, sont illégales. Ouais, c'est vrai que c'est illégal au final parce que t'as pas le droit de traduire. Mais c'est vrai que malheureusement, on va dire, les gens qui regardent ça, ils ont pas trop le choix. T'as pas trop le choix parce qu'ils passent pas à la télé. Toi, vu que nous on a les chaînes SFR là, ils passent pas sur ces chaînes là. Il n'y a même pas un abonnement style que tu puisses, je sais pas, payer l'épisode ou avec une traduction officielle. Putain, il n'y a pas ça et tout. Là, ça fait, les gens ils sont obligés de regarder sur des sites, quoi. Ils n'ont pas beaucoup. C'est à eux de rendre ça légal pour qu'on puisse le regarder. Putain, la manette, t'as déconne ou quoi? On n'a pas. Yoji a besoin de ma bite, c'est tout. Et moi, j'ai besoin de sa bite
toute muette. Un nom de désir charnel. Il faudrait pas dire de bien trop oser sur les streams. Monsieur. Attends, j'ai l'impression que ma manette t'a déconné. Aïe, protection non activée. Ah putain, enfin. Depuis tard, tu m'entends bombarder le joystick comme un cinglé. Monsieur QQ, parti. Oh là là, attends, t'es foutu de ma gueule, mon frère. Ouais, j'ai failli me faire prendre au pied. Putain. Ah, il se fout de ma poire, l'enfoiré, il se fout de ma poire. Vous, c'est les pommes, vous, c'est les pommes. De toute façon, c'est vrai que maintenant, t'as vu, on peut aller en taule pour tout et de rien, finalement. Même dans un stream. Ouais. Tu dis caca, popo et star, bah... Tu peux aller en taule juste pour ça. Ouais. En tant que... Pourquoi être en taule? Parce que j'ai dit caca, popo... J'ai dit qu'une star, faisait de la merde. Voilà, elle faisait de la merde, puis j'y chie à l'arrêt. Voilà, je suis en taule pour ça. Et tu prends combien de temps? 25 ans de prison. Avec 800 000 euros d'amende. Oh bah putain! Et ça suce QQ. T'es content QQ, on te suce ta petite queue pour une fois. Ouais, hey, alors franchement, ouais, je vais me sentir bien cette fois, putain. Je vais dormir moins con ce soir. La petite queue, bah franchement, ouais, si je te fais une gorge profonde de QQ, Guigui, crois-moi, je peux te tuer. QQ, si je te fais une gorge profonde, tu veux te faire une gorge profonde à toi-même, toi. Mais non, j'ai dit à Guigui, au début, oui, j'ai dit QQ sans faire, en fait, sans faire exprès. Ouais, j'étais déboussolé. Putain, j'ai les yeux explosés, moi. J'ai les yeux sont en train de cramer. Oh, fou d'air, faire l'amour. Nada, c'est pas des rachiotes, je t'ai dit, putain. Ah, par contre, ça sert archi marrant. C'est tapototo.com. C'est là que mes boumis. Faut bien parce que sinon il va partir et tu pourras plus le faire chier. Bien. Putain. Pourquoi je suis allé en taule? Parce que j'ai dit cacahuète. Celle-là elle est creuse mais c'est marrant quand même en fait. J'ai dit quand en taule parce que j'ai dit cacahuète. Ah, par contre là-bas tu vas en avoir des cacahuètes. Oui, blague, tu as. Ah ouais, là-bas c'est ça, il va y en avoir des cacahuètes. Puis... Te penche pas dans les douches si tu fais tomber ton savon. Ouais, parce que si tu tombes sur un cacahuète avec des malabars, bah t'es mort. C'est pour ça, c'est si tu tombes sur un cacahuète qui veut te... Bah surtout que lui, s'il a popiné depuis longtemps, il va te défoncer le cul. Ça c'est clair. Ouais, putain, en blanc. Mais t'as vu, en fait, les taulards, quand ça fait trop longtemps qu'ils sont en taule, ils deviennent gays, en fait. Hein. C'est parce qu'ils ont pas le choix, quoi. Par contre, quand ils voient une gonzesse qui traverse la cellule, ils sont tous comme ça, là, enchaînés dans la barrière. Putain. Ça fait faire attention à toi. Par contre, là, t'as bien tapé. T'as tapé bien sur le tout. Ouais, ça tape 10 ans plus tard. Par contre, le jeu, tellement qu'il est bourrin, il y a des chutes d'FPS, on ressent. Ouais. Bah, tiens, ça fait longtemps, ouais. T'as pas fait là. Ah, un mini-boss. C'est pas un mini-boss, c'est un mini-normal. Le mini-boss, c'est le mec qui est au bout. Ah oui. Là, c'est lui, le mini-boss, là. Ah oui. Putain, t'attends quoi à devenir? Ah ouais, il fallait que tu tires dessus. Non, faut attendre que sa barrière à pète. Ah, t'as pas tiré. Ça a pété tout seul. Ouais. Ah, ok. Kikao. Guy, il va faire ramasse au sable. Non, je vais te raconter une histoire. Penche-toi et tous. Bah, c'est ça, penche-toi. L'arrière-train, QQ, l'arrière-train, pas le cul, c'est pas bien, tu deviens vulgaire. Ouais, c'est vrai, ouais, blague, t'as raison, ouais. Ouais, j'ai fait une petite boulette. Méchant QQ.
pourtant c'est. T'es vilain, singe bâtard, t'es vilain. Salopard de singe bâtard, de la merde. Tu vois, le singe bâtard, il s'est avant de se branler. Arrête de branler, putain de singe. Mon blague, c'est quand on joue à saute-mouton ensemble. Putain, et Guigui, lui, il en faut un début de merde. Lui, il veut vraiment. Il veut se faire tout le monde. Ouais. Oh putain, il y a des anges partout. Des démons. Ah, mais tu vois que le jeu, en fait, il est archi pas fluide. Oh, même... Ouais, bah oui, le jeu, il est. Quand il y a trop de monstres à l'écran, t'as une putain de chute de FPS. Ouais, ça lag. Enfin, ça lag pas non plus à fond, à la fin de la déboulette. Bah, quand même. On sent quand même que le jeu, il souffre un peu de. Ah, ouais, par contre, en bas, j'en ai pas mal. Ah, lui, il a explosé, hein. Ah, il se met en boule, je crois. Ouais, puis ils explosent. Ouais. Calorie de kit. Pas ce soir, on doit sucer QQ. Ah, voilà, au moins Black, il pense à moi. C'est bien, merci Black. Ouais, la semaine prochaine, c'est à mon tour, alors. Ouais, attends, ouais, on n'arrête pas de te le faire. Ouais. Un peu à mon tour, quand même. Attends. Je deviens jaloux, là. Putain, j'ai rechopé la crève, c'est archi souvent. Ouais, chaud froid. Bah, ou on te l'a collé aussi. Ouais, on me l'a collé, chez moi, tout le monde a la crève. Ah ouais. Comment ils font pour l'avoir, la crève? Tout, bah, les gosses, ils ont la crève, la mère, ma femme, ma soeur, non, mon beauf, il a la crève. J'attrape la loupe, on aura du mal à trouver sa bite à l'autre. Bah, t'inquiète pas, t'as pas besoin de loupe, hein. Tu pourras pas l'avoir tellement qu'elle est grosse. C'est ça le problème aussi. Elle est tellement grosse que tu peux pas la. De près, tu pourras pas la. En fait, si tu veux, il faudra que tu ailles dans la mur... sur la muraille de Chine pour la voir. Ou sinon, tu prends. Sinon, tu prends. Tu vas au satellite. Toi, tu vas, je sais pas moi, dans une base lunaire. Et là, tu peux me voir en fait. Tu peux avoir. Sinon, tu peux pas la voir de près. C'est comme si que je te disais. Embrasse le mur, toi. Bah le mur tu le vois pas entier, t'es trop près. Bah la bite c'est la même chose. Il faut s'éloigner. Voilà, c'est la même chose, Guigui, c'est tout simple à comprendre. Ouais, t'as de bons yeux alors, moi j'aurais pris un microscope. Si tu prends un microscope, tu verrais le mur, Black, ça là, c'est ça le problème. Tiens, regarde, t'as vu comme ils se sucent entre eux, c'est vraiment. Regarde, Black, c'est un four en fait. Hein. C'est un four l'enfoiré. Ah oui, c'est un petit four. Là. Je ressens votre amour. Ah oui, voilà. Là, c'est une partouze à trois avec des villes. Hein. C'est pas possible. Ça sent. Ah ouais, là, ça sent la. Voilà, rigolène. Ah, mais c'est ça qu'il faut, tu vois, c'est qu'on puisse rigoler. Ouais, bah c'est ça, bah oui, bah surtout, c'est. On va dire, dans un live, c'est le but aussi, toi, de taquiner, qu'il y aille de l'action, toi. Tu vois, bah là, tout ce qu'on se dit entre nous quatre, j'ai regardé en stream la dernière fois, il y a un viewer, pour rigoler, il a juste dit ça au mec, enfin, bah, au streamer qui a regardé. Le streamer, il l'a banné direct. Après, ça dépend, s'il connaît pas... Ah oui, c'est un des viewers qu'il a depuis le tout début qui fait des lives. Ah, ouais, ok. Non, parce que si tu veux, hein, là qu'on rigole comme ça, c'est entre nous, parce qu'on se connaît. Black et Giga, on les connaît, depuis qu'on a commencé à streamer. Voilà, on vous connaît depuis le début du stream. Mais là, si tu veux, si un mec comme ça, bah, qui rigole comme vous, bah, je vais pas l'accepter, si tu veux. Parce que le mec, je le connais pas, toi. C'est normal que je lui dise, bah, arrête tes conneries, sinon je te banne, quoi. Mais si le mec, si c'est vous, bah, on se connaît, on sait très bien. Mais c'est vrai qu'un mec qui dit ça d'un coup, on peut pas dire oh, on se connaît à peine. Te fous pas de ma gueule, quoi, toi. C'est quoi ce bestiau? Un mini-boss. Ou un boss. Non, c'est un mini-boss. Moi, c'était un boss, par contre. Ah oui, non, c'est un bonhomme comme on a déjà battu une fois. Bah, mon minou, sois pas jaloux, faut juste que tu ailles de vie en a une plus grosse que toi. Bah je t'ai dit, va à la muraille de Chine, puis tu verras qui est la plus grosse. C'est moi. À cette heure-ci, c'est à la force de dire que j'ai une petite bite, que c'est moi qui ai la plus grosse. À force de parler. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas à me...
J'ai pas à me plaindre. En tout cas, moi, j'ai pas à me plaindre. Tant que je satisfais ma copine, c'est bon. Pas besoin d'aller plus loin. C'est ce qu'elle disait ma grand-mère. C'est pas la taille de ton marteau qui compte, c'est la façon dont t'enfonces le clou avec. Ouais. Bah, c'est surtout comment tu l'utilises en tant que gameplay. C'est toi, ça dépend comment tu joues, toi, avec. Ah oui. Mais t'as vu, comme je te disais, QQ, la dernière fois, j'en suis sûr, Black, en vrai, on l'a déjà croisé dans les magasins. Et on sait même pas que c'est lui, et lui, c'est même pas que c'est lui. Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. À cette heure-ci, on le voit dans les magasins chez nous. Puis, voilà. Bah, en même temps, ils connaissent pas. En même temps, il a jamais vu nos visages. Il connaît que nos voix. Ouais. Et encore, nos voix, ils sont modifiés avec le micro. Enfin, pas vraiment. Enfin, pas vraiment modifié, mais tu sens que c'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est pas ma voix, quand je parle. C'est... Mais j'ai honte de ma voix, quand même. Enfin, je sais pas, j'ai une voix bizarre. Moi, quand je m'entends parler, j'ai l'impression que j'ai une voix normale. C'est quand tu te prends son micro, je sais pas, ça te fait une voix bizarre. Ouais. C'est Pumba qui est la plus grosse. Par contre, elle a ça. Oh. Ta grand-mère, je l'aime, c'est la plus grande philosophe du monde. Ah, enfin, il faut que ça soit toi qui perds un peu. Si on continue sur ce chemin-là, c'est le géant vert qui est la plus grosse. Ouais, c'est clair. Voilà. Il n'y a pas plus grand que le géant vert. Oui, les titans dans Shingeki no Kyojin. C'est bon, j'ai trouvé. Par contre, ils sont sur toujours au niveau de la ceinture. C'est vrai, tu les vois cul nu, mais ils trouvent toujours le moyen de... Ils ont pas de sgeg en plus. Tu vois, ils ont pas de sgeg. C'est tout plat. C'est des poupées Ken. Ouais, on croit des poupées en fait. C'est un truc de dingue. Bah alors, Dragon Ball Super les gars, si on devrait en parler si jamais si vous Black l'a pas vu. Si Black et Gigi, avez-vous vu le dernier épisode dimanche dernier de Dragon Ball Super? Black, tu veux vraiment sucer, c'est le QQ, le titan colossal. Ça par contre, j'aime pas quand il fait ça lui. Comme s'il était plastique. Elle est plastifiée. Bah étant donné qu'on la trouve pas, c'est compliqué. Putain, vous êtes vraiment des enfoirés quand même. Oh là là. De la vie, de la vie, de la vie, de la vie, putain. Avec moi, hein, Davy, ils sont dégueulasses. Ouais, c'est dingue, quoi. On peut pas changer un peu les rôles. Je vais me sentir visé à la force. Hein. Bien. Là, je vais péter mes joysticks, moi, de ces quatre. Dis-toi, dans un jeu de merde comme ça, je tryhard à mort, alors que sur les jeux Xbox qui sont archi durs, je tryhard pas. Par contre, si tu remarques, la manette de PS4, t'as vu, elle est toujours neuve, hein. On joue jamais. Tu sens que ma manette PS4, elle est moins abîmée que ma manetouane en fait. Ouais, voilà, là c'est normal. C'est enfin, mais ma manetouane elle est pas niquée, mais tu sens en fait tu sens que la manette qu'elle est usée. Elle a plus vécu que ma manette de PS4. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, bah oui, en fait c'est à la force de l'utiliser. Ah, en même temps, je suis plus sur PS4 que sur One. Je suis plus sur One que sur PS4. Ouais. Par contre là le gars il va avoir la PS4 Pro, il y a déjà des sorties de la PS4 Pro dans certains magasins, je crois, j'ai entendu dire. Ouais, mais ça je trouve... Ça sert à rien. C'est juste elle est à peine plus puissante que la PS4 standard. Ouais, moi je trouve que c'est un piège à con en fait, je trouve que c'est une escroquerie. Bah c'est une escroquerie de Sony, puis pour Sony ils vont encore dire « Mais non, c'est normal !» Par contre si Xbox ils auront fait ça, « Ah, oh, t'as pas vu l'escroquerie Microsoft ?» Ah bah ouais. Une Xbox One Pro.
Les œufs cuckoo font bien un clou sur lequel on tape avec nos gros marteaux bien maniés. C'est beau, t'es clou. Bon, les gars, on parle de PlayStation ou Dragon Ball Super? Allez, faut Hein? qu'on. Arrivé? Ah non, j'allais dire avec Gears, mais non. Oh non, t'es arrivé. Non, mais quand je suis passé à fond à côté, j'ai cru que c'était le crâne de J'ai vu le Gears. dernier épisode, ma réaction is over 9000. It's over 9000. Le Willy Waller, sans aussi. Moi, franchement, l'épisode que j'ai hâte, c'est le Bah, prochain. déjà, c'est celui-là, déjà. Ouais, le prochain, là. Ouais. Celui-là de dimanche. Par contre, là, ouais, c'est vrai que là, c'est monstrueux. Mais est-ce que toi, Black, tu l'as vu? Comme ça, on pourra en parler. Ou sinon, on parle de Sony avec la PlayStation 4 Pro. Quelle est la différence? Bah, j'ai l'impression qu'elle m'a l'air un peu plus grosse que la version normale, en tout cas. Bon, alors, t'as fait tant, alors, t'as fait 44 minutes.